Hello les amis, c'est Jodine, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo en fait, parce que je vois que vous me posez souvent des questions et c'est souvent les mêmes. Donc bah, Jodie, avec quoi est-ce que tu filmes? Quand sort le prochain épisode d'Hôtel? Jodie, est-ce que tu peux faire encore des vidéos de Tomodachi Life? Et ce sont souvent ces questions-là qui ressortent. Et pour vous répondre enfin à cette question, bah, y a le site internet. Donc, j'ai créé un site internet, voilà, il y a plus d'un an. Donc, jeudidreams.com est né, voilà, il y a un peu plus d'un an. Et c'est un site que je gère bah, moi-même, toute seule, comme une grande. Et bah, voilà, je le trouve assez bien fait. Donc, vous pouvez voir ici, il y a tout un petit menu. Tout un petit menu de choses intéressantes. Donc, bah, déjà, quand vous arrivez dessus, qu'est-ce que vous voyez? Bah, vous voyez à droite toutes les, tous les trucs, bah, là où... Enfin, ou me suivre. L'actu en direct, donc c'est une application qui est liée à tout, qui est liée à Twitter, à Facebook, YouTube, donc voilà, vous avez vraiment les vidéos qui sortent en direct dessus. Vous avez également les vidéos, les dernières vidéos, il faudra que je mette ça à jour, donc les dernières les vidéos du moment. Vous avez aussi des articles en plus que vous n'avez pas sur YouTube en fait. Faut bien vous dire en fait que ce site est une extension en fait de YouTube, donc voilà. C'est vraiment, quand je dis une extension, c'est vraiment pas pour rigoler. Donc, vous avez ici ben, toutes les archives, aussi tous les articles mois, par, mois après mois. Donc, truc super important, je dis, quand sors-tu ton prochain épisode de telle ou telle série, insérée à la place de telle ou telle série, la série désirée, vous avez le planning en fait, vous cliquez sur l'onglet planning et vous avez un petit planning qui s'affiche. Ce planning montre également les conventions. Je serai comme, bah, voilà, je serai à la Médinazia, je serai dédicace à la Médinazia au mois de mars. Donc ben voilà, vous aurez ça qui ça sera affiché dessus, enfin c'est affiché dessus déjà. Et donc ben, vous avez donc ici un petit calendrier qui vous indique jour après jour les séries. Et donc vous avez un petit plus 1, et le petit plus 1 signifie qu'il y a encore, donc là vous voyez que ben, par exemple le mercredi 13 vous avez Dreams Doll, épisode 25. Si vous cliquez sur le petit plus 1, et ben en fait vous avez vous savez que ben, il y a également un épisode de la nouvelle du style qui sort à 16h ce jour-là, voilà, comme ça vous savez. Donc voilà, il faut juste cliquer bêtement sur l'événement et le petit plus 1 quand vous voyez un plus 1, et vous savez en fait ce qui va sortir vraiment jour après jour. C'est un truc qui se fait, enfin qui se change en temps réel, donc dès que j'ajoute un truc dedans, bah, ça s'affiche directement sur le site, donc voilà, vous êtes vraiment prévenu. Voilà, donc ensuite vous avez le blog de la Dreams. Le blog de Dreams, c'est vraiment un endroit où je réunis plein de choses différentes en fait, qui me concernent peut-être moins les vidéos. Vous avez les liens vers les vlogs, les liens vers les vidéos tags, mon WeArtIt, mon Instagram, mon Tumblr, une wishlist. Wishlist qui est un blog que j'ai fait sur Tumblr avec des choses que j'aimerais bien. Enfin voilà, ça c'est plus le petit côté un peu plus perso, un peu plus pas privé, mais voilà, où je poste un petit peu de tout là aussi. Voilà quoi. Donc ensuite, bah aussi pour vous tenir au courant de quelle série je fais encore et quelle série j'ai arrêté, vous avez l'onglet mes séries. Et là, bah, vous avez donc là les infos séries, là ce sont tout ce qui est bah, voilà, les, par exemple tout ce qui est sans, je parle de 100 bébés challenge, les deux JMP, le Bunny challenge et les règles, des infos sur Terra Cube. Mais en cliquant vraiment sur mes séries, bah, vous avez donc mes séries en cours, et donc là vous avez toutes les séries que je continue à faire, et là toutes les séries que j'ai arrêtées, voilà, que je ne fais plus, bah vous voyez qu'il y a CNL et Tomodachi Live sont dedans malheureusement, c'est comme ça. Donc je vais mettre aussi sur mon Microvolt et Aura Kingdom dedans parce que je compte pas en refaire. Les bonus séries, quand vous cliquez sur les bonus séries, vous avez en fait non, c'est pas là, c'est pas là. Donc oui, bonus série pour les Sims 4, les sites où je télécharge, vous cliquez dessus et vous avez la liste des sites où je télécharge. Et ainsi qu'un petit tuto d'installation de comment installer les contenus personnalisés. Sinon, au niveau des séries aussi, ce qu'il y a de bien, donc dans mes séries, vous pouvez voir dans les Sims, il y a Sims Custom, téléchargement. Quand vous cliquez sur téléchargement, vous avez la liste des Sims Custom que j'ai déjà fait. Vous cliquez sur ben, celui que vous désirez regarder. Quand vous cliquez dessus, et vous avez en fait tous les liens dont je parle dans la vie, dans les vidéos, voilà, tout simplement. J'ai fait un petit coin fan ici, hop,
petit coin fan, donc avec le lien de la page Facebook, l'Instagram, Twitter. Ici, vous pouvez cliquer, d'ailleurs, y retrouver là aussi. J'ai un petit livre d'or que vous pouvez vous mettre un petit mot. Ah bah, je vois, il y a encore deux gens qui ont mis des petits mots, merci. Qu'on peut pas dire sans dire que bah oui, désolé, c'est comme ça. Merci beaucoup. Donc voilà, ici vous pouvez mettre un petit mot sur le livre d'or, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Évitez les questions sur un livre d'or, le but c'est pas de poser des questions. Donc vous avez vraiment tous les liens. Et un truc aussi super, c'est que là, vos fanarts, donc il y a une petite galerie qui est liée à la page Facebook. Parce que je garde tous les fanarts qu'on m'envoie, je les garde. Donc et je les mets sur Facebook, comme ça tout le monde peut les voir. Donc voilà, vous pouvez m'envoyer vos fanarts à jolydreams@outlook.fr si vous désirez m'en envoyer, ou alors via Facebook, mais je ne sais pas si je garde encore longtemps le système de contact par Facebook. Donc ça sera à voir. L'onglet interview et autres, c'est quand on parle simplement de ma chaîne, autre part que sur ma chaîne, les interviews que j'ai fait pour les direct Sims, l'interview que j'ai fait pour ma grande taille, ainsi que les trois Throne of Gamer où j'ai été mis classée. La FAQ, la Sente FAQ, vous pouvez trouver plein de choses. Donc ce sont les questions souvent posées que j'ai mises. Donc questions sur les jeux divers, comme avoir Microvolt, Aura Kingdom, est-ce que je vais avoir ton code ami, tout ça. Quand vous cliquez, donc ça c'est pour les jeux divers. Questions pratiques, comment rejoindre TeamSpeak, les questions à propos de moi, voilà, question qui revient souvent. Minecraft, comment avoir un skin Minecraft, as-tu Minecraft gratuit ou as-tu acheté Minecraft, ça on me le pose très souvent. Enfin voilà. Questions sur les vidéos, quels sont tes configs de ton PC, comment fais-tu des lives, pourquoi arrêtes-tu certaines séries ou let's play, comment fais-tu des vidéos, les musiques que j'utilise, quand sort ton prochain live, pourquoi tu as arrêté ton manage, voilà. Donc simple question. Et les questions sur les Sims 4, comment c'est du contenu personnalisé, voilà. Voilà, donc vous êtes sur FAQ, vous cliquez simplement sur les différents trucs au-dessus et vous avez accès à toutes ces questions, vous cliquez sur la question et vous avez la réponse tout simplement. Donc les partenariats et liens, donc voilà, ce sont mes petits partenaires que... Oula, ça vous voit en tout anglais, c'est pas normal ça, je vais chercher ça plus tard. Donc tous mes petits partenaires, tous les sites avec qui je suis en partenariat. Et les liens, ce sont les liens d'amis, là ce sont les liens vers les sites où je prends les musiques que je cherche pour mettre en fond de vidéo, trucs comme ça, les génériques, et donc les liens des personnes que je veux aider. Et ensuite l'onglet contact, c'est l'onglet si vous désirez m'envoyer tout simplement un petit message, tout simplement un petit mot. Donc voilà. Donc pour rappel aussi, j'ai également Twitter. Pratique, vous pouvez m'envoyer des petits tweets si vous voulez, j'ai également Facebook, qui est très 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 pratique aussi, c'est très utile, c'est la vie, voilà, c'est la vie, vous pouvez être au courant de toutes les séries qui sortent grâce à ça, voilà. Maintenant la source même, le truc vraiment le plus idéal, c'est d'aller sur le site internet, parce que là vous avez vraiment tout qui est regroupé, les plannings, les FAQ, vraiment tout l'actu, vraiment instant après instant, donc voilà. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous fais des gros 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 bisous et à bientôt, ciao ciao.